Pour débuter votre activité, vous devez vous rendre sur le site officiel et totalement gratuit autoentrepreneur.ursaf.fr. En arrivant sur le site, demandez à créer votre auto-entreprise, puis accédez à la déclaration. Sélectionnez « Déclarer mon auto-entreprise » et vous arrivez sur le formulaire de déclaration de début d'activité. Choisissez un domaine d'activité, à savoir pour les coachs sportifs, loisirs, animation, cours de sport. Puis définissez une activité. Tapez coach sportif et sélectionnez animateur sportif indépendant. Vous allez donc pouvoir commencer à remplir le formulaire. Si vous avez déjà exercé une activité en tant qu'auto-entrepreneur ou par exemple gérant majoritaire de SARL ou de URL, vous devez cocher cette case. Sinon, passez au cadre 2. Dans ce cadre, vous allez remplir votre état civil, à savoir vos noms, prénoms, nationalité, date de naissance, commune de naissance, ainsi que votre adresse postale, ce qui vous permettra d'accéder au cadre 3. Dans le cadre 3, cochez une de ces cases si votre conjoint travaille dans votre entreprise. Passez ensuite au cadre 4, vous n'avez absolument plus depuis 2019 l'obligation de cocher et de renvoyer une déclaration, tout se fait automatiquement. Pour le cadre 5, cochez EURL si vous décidez de protéger vos biens personnels de vos biens professionnels. Cadre 6, cochez que vous exercez votre activité à votre adresse personnelle. Puis remplissez la date de début d'activité sélectionnez autre pour la nature et en clientèle passez ensuite au cadre 8 où je vous conseille de sélectionner pour le paiement des cotisations les cotisations mensuelles. Saisissez ensuite votre numéro de sécurité sociale, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien demander à ce qu'un numéro vous soit attribué. Sélectionnez l'activité que vous exercerez en simultané de votre activité d'auto-entrepreneur, autre signifiant que vous êtes par exemple militaire. Sélectionnez votre régime actuel de protection sociale, régime des salariés, salariés agricoles, non agricoles ou autres, si par exemple vous êtes militaire. Puis dites si votre conjoint est couvert à titre individuel, de par sa profession ou non. Concernant les options fiscales, je vous suggère dans un premier temps de ne pas opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Renseignez ensuite votre téléphone fixe ou portable ou fax ou email. Cadre 12, cochez cette case afin de ne pas recevoir de courrier indésirable. Puis notez le lieu et la date de la déclaration. Remplissez par deux fois votre adresse email. Et recopiez le code CAPTCHA qui vous est indiqué. Il vous est indiqué que votre dossier doit être validé dans les 30 jours, sinon il sera à recommencer.
puis enregistrer provisoirement votre dossier pour pouvoir revenir dessus ou définitivement en appuyant sur Validation. Si vous avez enregistré provisoirement votre dossier et que vous décidez de revenir dessus pour le valider, rendez-vous sur le même site et reprenez tout simplement les identifiants et le mot de passe qui vous avaient été donnés en fin de formulaire pour les saisir dans le cadre de gauche du site considéré.